Bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, je suis assez contente parce que aujourd'hui, enfin, j'ai reçu le manga que voilà, j'ai gagné dans un concours sur Pika.fr, donc la maison d'édition Pika.fr. Et oui, j'ai gagné le manga Love Hotel. Donc voilà, le manga Love Hotel, attention pour les personnes qui ont en dessous de 15 ans parce que ceci le manga est dédié à un public presque averti. Donc voilà, maintenant, c'est la même mangaka qui a réalisé le manga Lovely Air, donc que je recommande aussi très franchement parce que maintenant je n'ai lu qu'une partie du scan sur internet parce que je me suis dit si je gagne ce manga, eh bien non, j'ai gagné un autre manga et ce manga c'est Love Hotel. Donc voilà, ouvrons-le sans plus tarder. Franchement, je viens de le recevoir ce matin, donc voilà. Je suis franchement assez contente parce que c'est un peu l'une des... Enfin, je crois que c'est même la seconde fois que je gagne un concours sur internet. Donc voilà. Tiens. Félicitations, bonne lecture, à bientôt, Maipika. Donc voilà, j'ai reçu une petite carte au manga To You Eternity, donc de Oshitoki Ohima. Voilà, c'est aussi un autre manga édité aux éditions Pika, donc voilà. Il y a aussi une petite revue apparemment de ce qu'ils ont en termes de shoujo. Bref, à mon avis, oui, c'est qu'un extrait, donc voilà, j'ai gagné également un extrait. À savoir que le manga Love Hotel devait sortir en novembre, donc voilà, nous sommes en octobre et je le reçois quelques semaines à l'avance. C'est très, mais franchement, palpitant, franchement, je n'en reviens pas moi-même que j'ai gagné ce concours. Alors, pour le petit résumé, si je suis découverte, c'est la fin. Leia Watanuki est une élève brillante et admirée de tous ceux qui cachent un comportement secret. Elle vit dans un love hotel, tenu par sa famille. Un jour, elle tombe nez à nez dans une suite d'établissements avec un de ses camarades de classe, Oharu Sangatsu. Pour protéger son secret, la jeune fille va devoir obéir à ce véritable sadique qui lui impose un odieux chantage. Sa première condition, le laisser vivre au Love Hotel avec elle. Mais pour Leila, qui n'a aucune expérience avec les garçons, son quotidien avec Oharu, libéré et habitué des flirts, s'annonce plus embarrassant. Donc voilà, je vois que c'est le premier tome sur 8. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir m'offrir la suite. Donc voilà. Peut-être ferai-je un review, un let's read là-dessus. Mais franchement, pour ce let's read, ce sera pour un public averti. Donc voilà, il y aura le petit carré blanc juste à côté. Donc vous aurez compris pourquoi. Ce n'est pas franchement pour un public des plus jeunes, quoi. Donc voilà. Moi, il me reste plus qu'à lire ce manga. Moi, je suis encore très très contente d'avoir gagné. Donc merci beaucoup Pika.fr. Donc voilà, pour m'avoir fait gagner ce manga. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Moi, je vous dis comme d'habitude, Maimaibu, Sayonara, Minasan.